Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un intro comme ça. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo magnifique. Donc déjà dans les commentaires je vais vous spammer joyeux anniversaire à la salle. Donc cette vidéo sort un peu en retard tout simplement parce que j'avais envie de la sortir tard, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà le temps du montage et tout, je connais l'anniversaire de la salle, voilà. Donc c'est l'anniversaire de la salle, c'était le 25 donc c'était il y a quand même quelques jours, hein. Mais bon, la vidéo sera un peu tard. Et du coup, les gars, aujourd'hui, on va aller acheter son cadeau ensemble. Donc, vous allez me suivre avec moi. On a pas mal de trucs à acheter, donc c'est parti. Venez, let's go. Venez, come. Comment ça se passe? Bon, bah, plutôt cool, et toi? J'ai pris une box, les gars, je n'ai jamais écouté ça de ma vie. Franchement, c'est pas mal. Bon, du coup, on vient d'aller manger, les gars. Comme je dis, je vous ai montré juste avant, en fait, on a mangé un truc. C'était pas mal, hein. Franchement, je connaissais pas les box là. Mais Dina, elle m'a dit qu'à Lyon, il y avait que ça. C'est vrai, les Lyonnais, ou il ment? Parce que tu m'as dans les commentaires. En plus, là, il y a le couvre-feu à 21h. Donc, autant vous dire qu'on va profiter, les gars. Bon, du coup, les gars, actuellement en magasin. Donc là, on a Galerie Lafayette. Ouais, c'est moi qui est en train de filmer là. Et la salle, il est très fan de Lacoste. Voilà, la salle, il kiffe Lacoste. Et je me suis dit, je vais lui prendre un truc simple. Alors la salle, il est vraiment dans le simple. Il kiffe les trucs simples. Voilà, si jamais vous lui offrez un truc, il faut lui offrir des trucs simples. Et là, du coup, je vais trouver un truc. Vous me dites si vous validez ou pas, les gars, dans les commentaires. Un petit haut Lacoste. Et très très simple. Lui, il aime bien la simple. Je sais que lui, il met des trucs comme ça. Je sais que normalement c'est bon, il met des trucs comme ça. Donc je vais prendre un truc tout noir, noir un peu gris comme ça. Je trouve que c'est bon. Parce que ça, voilà, c'est assez sympa. Donc du coup c'est le premier cadeau je pense que je vais lui prendre dans un premier temps. Parce que voilà, j'ai envie de prendre un petit haut et tout, parce que j'ai envie de lui faire passer comme ça. Tu sais, quand il porte, je sais que c'est moi qui lui offre, tu vois ce que je veux dire. Mais il est beau, il est très beau. Du coup les gars, on est actuellement, on est descendu là, on est parti voir un peu ce qu'il y avait. Mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose on va dire. Donc là je me suis pris un truc à moi, voilà, je me suis fait plaisir. On va dire que là, comment ça se passe Didi? Didi il en analyse. Donc les gars, du coup j'ai pris ça. Regardez, j'ai pris le Dior là, homme sport. Franchement il est magnifique, il est, bon je sais que lui il aimait les trucs simples. Donc j'ai pris un truc simple, j'ai pas pris un truc vraiment de ouf on va dire. Donc voilà ce que j'ai pris, je vous montrerai le pack. Et c'est juste celui-là, là. Attendez, je vous montre. Juste là. Dior homme. Il est pas mal. Ouais, Didi. Dis-là, c'est la rate de se cacher, les gars. Ouais, du coup, là, on vient de faire les achats. Actuellement, franchement, il fait nuit. J'avais oublié qu'on était en. C'est bientôt l'hiver, là. Il commence à faire vraiment nuit. J'ai enlevé mon masque parce que pour vous parler comme ça, vous m'entendez très bien. Mais vous inquiétez pas. Quand je filme pas, je l'ai. Il faut mettre son masque, les gars. Sécurité, sécurité. Et c'est parti, je pense qu'on va aller voir. Je vais acheter un troisième cadeau. Parce que là, j'en ai acheté deux, du coup. Et un troisième cadeau, je pense que je vais aller acheter un truc du style Marvel. Genre une petite figurine ou quoi. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Je vais aller voir faire les magasins, voir ce qu'on peut trouver. Je pense que puis après, on verra s'il y aura d'autres trucs, quoi. Une dinguerie, il y a une dinguerie qui se passe. Là, il y a Dinaz, il est en train de pécho. Une meuf. C'est vraiment. Et lui, c'est un charreau. La vie de moi, c'est un charreau. Regardez, je vous montre ça. Je t'ai tué. C'est pas mal, hein. Je prends un moelleux, les gars. Je sais pas si vous aimez, mais il y a ça là, le Thanos en grand. Et juste en haut, je sais qu'il kiffe Hulkbuster. Il y a Hulkbuster. Il fait les deux là. Franchement, je pense qu'il y a moins qui kiffe, hein. Je sais qu'il kiffe Thanos, puisqu'il a fait des modes Thanos sur GTA et tout. Il est fan de Marvel. Ah ouais. Pas mal. Tu peux lui rajouter ça aussi. La casquette Superman, tu penses? Elle est pas dégueulasse. J'ai cru qu'il avait 12 ans ou quoi. Non, du coup, on va prendre. Je pense qu'on va prendre le Avengers là, le Thanos et le Hulk. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ah, même le truc là, il est stylé. Hein. Le Batman. T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il va aimer Thanos? Je pense qu'il va aimer, ouais. Ouais, je pense qu'il va kiffer les deux. Moi, je vais prendre les deux, les gars. Eh bien, les gars, je crois qu'on va arriver bientôt à la fin de cette vidéo. Je sais pas si je vous filmerai la réaction de la salle. Je pense que je vais plutôt lui laisser ouvrir les cadeaux tranquillement, poser chez lui. Pas qu'il voilà, il va pas ouvrir les cadeaux en deux, machin. Je pense que voilà, on a fait pas mal d'achats. Il y a Dinas qui a les autres trucs. Franchement, Strasbourg, c'est pas mal. S'il y a des gens qui sont de Strasbourg, en plus, je sais qu'il y avait plein de babans. On a croisé des babans de partout. C'est quoi les meilleurs? C'est qui te regardent mais qui osent pas venir. N'hésitez pas à venir les gars, si vous voulez prendre une photo même en ce temps de Covid, on peut faire 1,5 m, vous voyez, on fait une photo comme ça,
Voilà, hop, sécurité entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bah nous on va aller rentrer du coup à Nancy hein, parce qu'on a quand même pas mal de route. Je crois qu'on a 1h50 de route. On était garé là, t'es sûr? Je crois qu'on était plus vers là-bas. Je crois. Hein. Je sais pas. Je suis pas sûr, mais Yuli, on était plus vers là-bas. Comment vous dire, c'est la galère. J'ai perdu mon ticket, vous savez, les tickets de parking là. Bah, je l'ai perdu. Et ça, à chaque fois, je le perds. Je sais pas si vous êtes de la même team que moi. Ça craint. Bonsoir, chef. Monsieur, bonsoir. On a perdu le ticket. Ah, oh, ça, c'est moche. Un petit instant. Je suis mort. Bonsoir, chef. On a perdu le ticket. Non, j'ai juste à prendre votre immatriculation. Ah bah nickel chef alors hein. Ça c'est nickel vraiment hein. Vous faites vraiment du bon boulot hein. Non, heureusement qu'on a du matériel. Ah heureusement. Heureusement. Bon bah nickel alors. Non, mon lui c'est pour les tickets resto. Et est-ce que vous acceptez les tickets restaurant? Et les cartes cadeaux? Non plus. Bon allez bon. Merci beaucoup. Allez manger au restaurant demain. Demain je reviens ici et je vous invite. Je le jure. Non, non, mais bon, comme dit, je vous transfère ça sur la banque. Vous attendez juste quelques minutes devant la banque. Vous verrez la somme s'afficher. Puis après, allez, chef, nickel. Merci beaucoup en tout cas. Faites une réduction. Une réduction, chef. Devinez, il a quel âge, monsieur? Regardez-le et devinez, il a quel âge, s'il vous plaît. Vous lui donnez quel âge? 22 ans, 23 ans. Mais là, il conduit sans permis. Mais vous savez, il a quel âge, vraiment? Non, mais vraiment, regardez. Il fait 1m40 les bras levés. C'est son problème. Non, mais il a quel âge à votre avis? Sérieusement? 22, 23 ans. 22, 23, tu veux quoi? Il a 16 ans, monsieur. Et à votre avis, j'ai quel âge? Moi, je vous donne 48. Oh, abuse pas. 10 de plus. Non, sérieusement, 58? Sérieusement. Ah ouais, vous le faites vraiment pas. Hein. Allez, avancez avec vous. Allez, merci, chef. Bon, du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche et à souhaiter un maximum de joyeux anniversaire à la salle les gars, il faut spammer les commentaires, je veux un maximum des commentaires, je pense que le coffre est plein, clairement le coffre est plein, voilà on a pas mal de cadeaux comme je vous dis, c'était les figurines là, je vous avais montré avant, on a le petit pull Lacoste et je pense qu'on est pas mal les gars, on est pas mal, on tourne plutôt bien là. Voilà, du coup, je sais pas si y aura la réaction de la salle, je sais pas du tout si je voulais la mettre ou pas, de son, on verra bien au montage. Bah, nous, on a encore de la route à faire, hein. Donc autant vous dire que ça va être galère. Voilà, j'ai pas envie de conduire en plus. Dylan, tu vas conduire, je pense. Hein. Ouais, bah oui. Tu conduis ou je conduis? Toi, tu conduis. Pas mal ça, tu conduis. J'ai conduit l'aller. J'ai conduit l'aller. En plus, j'ai pas dormi, j'ai dormi. Bon du coup les gars je viens de rentrer actuellement chez moi et voilà comme je dis je vous ai pas filmé la réaction de la salle parce que j'avais pas envie de vous filmer la réaction de la salle. Donc le setup je sais que derrière a changé, hein, je sais que ça a changé, je le sais clairement, voilà ça a changé. Mais vous inquiétez pas c'est juste que là j'ai dû redéplacer le canapé, enfin bref voilà. Parce que l'autre pièce est en construction gars, le nouveau setup est en pleine construction. Donc la salle a kiffé, je vais vous dire ce qu'il m'a dit les gars, ce qu'il m'a dit par rapport à... Il m'a dit merci petit bonhomme, ça c'est un pull de BG, il a kiffé le pull. Les gars déjà le pull, il a validé, il a kiffé, c'était sûr, c'était carré. Les gars c'était obligé qu'il valide ce pull, je vous ai dit Lacoste, il kiffe, il est plus comme ça, il kiffe, il a validé. Voilà, il a validé, on cesse là-dessus les gars, et voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, abonnez-vous, likez, partagez, ciao.